Transition écologique, évolution technologique du numérique, nouvelles formes d'entrepreneuriat, le marché du travail est en pleine mutation. Alors, face à un monde qui change, comment les Français imaginent-ils leur avenir professionnel ? Alors, quand on demande aux Français de se projeter dans 10 ans, ils dessinent les contours d'un marché du travail qu'ils voient bouleversé. Ils anticipent d'abord des changements structurels dans notre rapport au travail. Je vais en citer trois. D'abord, une majorité d'entre eux pensent que les actifs alterneront davantage qu'aujourd'hui entre chômage et emploi. Ensuite, ils estiment qu'il sera commun d'avoir plusieurs métiers à la fois. Et enfin, c'est le troisième point, ils prévoient que les statuts d'indépendants ou d'entrepreneurs deviendront plus répandus. Mais les Français s'attendent aussi à des bouleversements sur les métiers eux-mêmes. Dans le futur qu'ils décrivent, deux secteurs auront pris une place considérable. En premier, les métiers du soin. Beaucoup de Français estiment que ce sera un secteur en pleine expansion, avec plus d'aide à domicile par exemple. Viennent ensuite les métiers liés à l'informatique. Plus d'un Français sur deux imagine qu'il y aura davantage d'emplois d'ingénieurs dans ce domaine. Ça s'inscrit d'ailleurs dans une réflexion plus globale sur les changements technologiques dans notre société. Changement technologique, transition écologique, beaucoup d'évolutions majeures sont en cours. Comment les Français anticipent-ils leur impact sur l'emploi ? Alors, ces évolutions technologiques du numérique, elles suscitent des espoirs, mais elles suscitent naturellement des inquiétudes, c'est bien légitime. 8 Français sur 10 estiment par exemple que l'on devra davantage mobiliser les algorithmes et l'intelligence artificielle dans le travail. Et donc pour certains, ces changements causeront plus de destruction que de création d'emplois. D'autres pensent que les évolutions technologiques seront au global positives pour l'emploi. S'agissant de la transition écologique, les Français ne la voient pas, à l'inverse, vraiment comme une menace pour l'emploi. 42% pensent qu'elle générera autant de création que de destruction de postes. S'ils sont donc partagés sur les impacts des transitions numériques et écologiques sur l'emploi, les Français tombent d'accord sur un point, elles profiteront davantage aux plus diplômés. Face à de tels bouleversements, les Français sont-ils inquiets pour leur situation professionnelle ? Alors, beaucoup d'actifs sont convaincus que leur métier sera touché par ces évolutions. Pourtant, ils semblent plutôt confiants, ils s'estiment capables de s'adapter à ces changements. On notera d'ailleurs, c'est intéressant, que cette confiance est assez élevée, quel que soit le niveau de diplôme. Pour les aider à s'adapter aux évolutions de leur métier, les Français comptent avant tout sur les organismes de formation professionnelle et sur les entreprises. Car plus globalement, les trois quarts des Français en sont convaincus, pour répondre aux enjeux de demain, il faudra se former encore davantage qu'aujourd'hui.